Bonjour. Aujourd'hui, on va continuer la révision sur l'automatique des systèmes mécaniques, asservissement des systèmes linéaires continus et invariants. Donc, c'est la deuxième séance. Aujourd'hui, on va voir l'identification de la fonction transfert d'un système de premier et second ordre. J'aime bien l'appeler identification expérimentale de la fonction transfert. Nous avons vu ensemble la séance passée. Comment déterminer la fonction transfert à partir des lois de comportement? Si je dispose des lois de comportement qui régissent le fonctionnement de mon système, alors je traduis ces lois dans le domaine de Laplace et puis je peux déduire la fonction transfert. Ou bien aussi, si le système est composé de plusieurs composantes, donc là, je connais la fonction transfert de chaque composante. Là, donc, en fait, je me trouve devant un schéma bloc complexe. Et donc, nous avons vu comment simplifier un schéma bloc. Et toujours, toujours, l'objectif, c'est déterminer la fonction transfert. D'accord? Puis, nous avons vu un outil de ce qu'on appelle un diagramme de Bode. Comment représenter le diagramme de Bode et lire le diagramme de Bode sur un papier semi-bloc? Parce que ça, c'est un outil indispensable pour pouvoir faire l'identification. Ben, une fois que je me bloque, je n'arrive pas vraiment à déterminer la fonction transfert à partir des lois de comportement. Là, on passe à l'expérience. C'est-à-dire, on va faire des mesures expérimentales qui permettent en fait d'identifier la fonction transfert. D'accord? Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment identifier expérimentalement la fonction transfert d'un système donné. D'accord? Alors, comment faire? Quelle approche on pourra utiliser? Ainsi de suite. D'accord? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de parler de l'essentiel pour vous, donc j'aime bien présenter un avant-tout, donc en fait, pour comprendre un peu cette philosophie d'identification expérimentale. En fait, identifier la fonction transfert, il y a deux types de systèmes que nous avons vus ensemble, système en boucle ouverte et système en boucle fermée. Donc, comment identifier? Est-ce qu'on identifie le système en boucle ouverte ou bien on identifie le système en boucle fermée? Est-ce que les mesures seront faites sur un système en boucle ouverte ou bien en boucle fermée? En fait, la réponse, c'est qu'il existe les deux approches. On peut faire l'identification expérimentale en boucle ouverte, comme on peut faire l'identification en boucle fermée. Donc, pour vous, l'identification en boucle fermée, c'est hors programme. Mais on met l'accent principalement sur l'identification en boucle ouverte. Donc, le système n'est pas asservi. Alors, l'identification expérimentale consiste à déterminer expérimentalement la fonction transfert d'un système. Donc, il y a deux approches. Donc, l'approche identification en boucle ouverte, le système n'est pas asservi. Ou bien, deuxième approche, l'identification en boucle fermée. Et là, il y a un régulateur qui fait l'asservissement du système. Et ça, j'ai dit que c'est hors programme, sachant que si on fait l'étude des performances, stabilité et précision d'un système asservi, et la correction, vous serez en mesure hein, de comprendre très rapidement cette méthode. Peut-être je vais revenir là-dessus lorsque je termine ça. Je termine les performances des systèmes asservis et la correction des systèmes asservis. Alors, je vais commencer tout d'abord par une présentation de la philosophie de l'identification en boucle ouverte. Donc, je prends mon système qui est en boucle ouverte, j'applique un signal à l'entrée, E de t, et je vais récupérer instantanément des mesures expérimentales sur la sortie. D'accord? Donc, l'entrée, le signal d'entrée peut prendre la forme d'une impulsion de Dirac. Et là, on dit c'est une réponse impulsionnelle. Ou bien, il peut prendre un échelon d'amplitude A, c'est-à-dire j'applique une valeur constante à l'entrée, et là je dis c'est un échelon d'amplitude A. Et la réponse, on l'appelle réponse indicielle. Donc on va étudier système de premier ordre, système de second ordre, en particulier on va traiter la courbe en S, c'est-à-dire la courbe sans dépassement.
c'est le régime apériodique, et la courbe avec oscillation, c'est-à-dire le régime pseudo-périodique qui présente des oscillations. Il y a aussi, on peut appliquer à l'entrée une rampe de pente A, donc là on dit c'est une courbe intégratrice, ou bien c'est la réponse à une rampe, d'accord? Aussi, on peut appliquer à l'entrée une sinusoïde d'amplitude A et de phase phi. Donc, A sinus omega t plus phi. Et je récupère à la sortie une sinusoïde A2 sinus omega t plus phi 2. Et principalement là, pour représenter le diagramme de Bode, ou bien Nyquist, ou bien Black, et bien évidemment, faire une identification. Alors, pour les ces réponses, la réponse impulsionnelle ou bien indicielle ou bien la réponse à une rampe, on appelle ça une identification temporelle parce que c'est en fonction du temps. Donc, je fais des mesures en fonction du temps. Et du coup, donc, on dit ça, c'est une identification temporelle de la fonction transfert. Mais pour la quatrième ou bien pour celle-là, on dit que c'est une identification fréquentielle parce qu'en fait, on va faire varier la fréquence et chaque fois, on va mesurer l'amplitude A2 et la phase phi 2, et donc le gain et le déphasage. Et là, on peut représenter le diagramme de Bode, et donc on appelle ça l'identification fréquentielle. Donc, si je résume, il y a l'identification temporelle, c'est l'identification en fonction du temps. Je récupère les mesures du signal de sortie en fonction du temps. Il y a l'identification fréquentielle, c'est principalement représenter le diagramme de Bode, ou bien Nyquist, ou bien Black, pour pouvoir identifier la fonction. Et là, on va faire varier que la fréquence. Voilà, on passe. Alors, là, je vous donne quelques formes du signal d'entrée. Pour celui-là, c'est un échelon d'amplitude A. Échelon d'amplitude A, comme vous dites en physique, échelon de tension. Donc, en fait, moi, lorsque j'applique à un four une température de 180 degrés Celsius, ça va garder la même valeur au cours du temps. Et là, comme si j'ai appliqué un échelon d'amplitude 180 degrés Celsius à ce four. D'accord? Voilà, donc, en fait, une valeur constante dans le temps, on l'appelle échelon. D'accord? Là aussi, une rampe, donc, c'est une droite de pente A, donc l'équation c'est AT U de T, la transformée de Laplace c'est A sur T carré, l'impulsion de Dirac ou bien une sinusoïde. Ça c'est les formes généralement des signaux tests ou bien des entrées. D'accord? Voilà. Pour les signaux de sortie, donc voilà, je vous donne quelques formes. Donc ça c'est la courbe en S. C'est la réponse pour un système de second ordre dans le régime apériodique, pas d'oscillation. Ça, c'est une réponse courbe intégratrice, ça, c'est la réponse à une rampe. Elle aura cette forme, d'accord? Ça, c'est la courbe avec oscillation, donc c'est la réponse du système pseudo-périodique pour un système second ordre. Là, je vous donne des idées, la philosophie de la chose, puis on va rentrer dans les détails après. Ça, c'est la réponse d'un système de premier ordre, la réponse indicielle. Si j'applique un échelon d'amplitude A, d'accord? Ça, c'est la réponse impulsionnelle d'un système de second ordre, de premier ordre, pardon. Et ça, c'est la réponse à une sinusoïde. Voilà, donc là, je peux, à partir de cette réponse, ça, c'est l'entrée, et ça, c'est la réponse, la sortie. À partir de là, je peux dégager le gain et le déphasage pour cette fréquence, d'accord? Voilà. Je peux encore vous expliquer mieux dans le diapo suivant. Là, donc, en fait, c'est l'identification en boucle fermée. Je vais vous expliquer un peu ça, l'identification en boucle fermée, parce que tout à l'heure, je viens de présenter l'identification en boucle ouverte. Tout ce que j'ai présenté, tout ce qui fait partie de votre programme, c'est l'identification en boucle ouverte. Donc, pour l'identification en boucle fermée, juste je mets l'accent dessus pour vous dire vraiment ça existe aussi. Donc, là, donc, en fait, c'est un système asservi. Il y a un régulateur que vous voyez ici, le sommateur plus le correcteur, c'est 2P égale à KP. Ça, ce qu'on appelle le régulateur, c'est que ça qui a servi le système. Donc, là, généralement, il y a deux tests qu'il faut faire, d'accord? Deux essais. Le premier essai consiste à
savoir si le procédé est naturellement stable ou non. Donc, en fait, ça permet de déterminer le gain statique si vraiment le système est naturellement stable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intégration dans la fonction transfert. Ou bien naturellement stable, donc la fonction transfert présente une action intégrale. D'accord? Donc, généralement, là, principalement, on utilise ce qu'on appelle l'écart epsilon de P. Ça permet de voir vraiment ici les critères de précision. Donc, vous allez comprendre mieux ça lorsque je présente la précision. Le deuxième essai consiste à augmenter le gain du régulateur KP et mettre le système juste à la limite de la stabilité, c'est-à-dire système en oscillation juste entretenu. Et enregistrer ça, tout ça, ça permet de récupérer la période d'oscillation et le gain donc du régulateur limite qui a permis en fait de mettre le système donc en oscillation entretenue. D'accord? Ces deux paramètres permettent de déterminer, donc, c'est plutôt ici, on va parler du critère de stabilité parce que le système il est à la limite de la stabilité et ça permet d'identifier, si vous voulez, la fonction transfert et permet également de chercher les paramètres du correcteur qui, en utilisant le critère de la méthode de Ziegler-Nichols. Là, donc, en fait, aussi, tout ce diapo, c'est hors programme pour vous. D'accord? Mais je vous dis vraiment, il faut mettre dans la tête qu'il y a deux approches, identification en boucle ouverte et l'identification en boucle fermée. D'accord? Je passe. Alors, l'identification temporelle en boucle ouverte, j'essaie d'expliquer la démarche expérimentale. Prenons l'exemple d'un four que chaque fois je me base sur cet exemple. Donc, et je veux vraiment chercher la fonction transfert de ce four. Donc, je vais chercher, utiliser un capteur de température tel qu'un thermocouple à réponse rapide, que généralement on utilise pour ces types d'applications. Et puis, donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer une consigne. Par exemple, j'applique un échelon d'amplitude 180 degrés Celsius. Et chaque fois, je vais récupérer la réponse du système. Donc, je vais dresser un petit tableau. L'axe du temps est l'axe, donc, la réponse. Là, donc, en fait, chaque 10 secondes, je vais mesurer la température à l'intérieur. D'accord? Et puis, je vais faire quoi? Je vais représenter la température en fonction du temps. Donc là, c'est la réponse temporelle. C'est en fonction du temps. Donc, je vais, là, ce que vous voyez, c'est la consigne. Et là, ce sont les points de mesure. Voilà. Admettons que j'ai récupéré ces mesures expérimentales. Donc, ça me donne une idée. Ah, tiens, moi, je connais quelques systèmes étalants. Je vais dire, tiens, la réponse de ce système ressemble beaucoup à un système étalon que je connais déjà. Par exemple, système de premier ordre. Donc, parce que je maîtrise bien ce système, je connais bien son comportement et sa fonction transfert et comment identifier sa fonction transfert. Donc, une fois que je mesure, je récupère les mesures expérimentales, je représente la courbe et je dis, voilà, ça c'est un système qui a l'allure d'un système de premier ordre. Et la fonction de transfert d'un système de premier ordre est de la forme K sur 1 plus tau P. Et ce qui caractérise cette fonction transfert, c'est les deux paramètres K et tau. Donc, pour identifier la fonction transfert, par exemple, de ce four, admettons qu'il a vraiment cette allure, donc il faut vraiment déterminer K et tau. Donc, comment déterminer K et tau? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, hein. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'identification temporelle. J'ai pris un exemple pour comprendre vraiment qu'est-ce qu'on fait exactement pour vraiment arriver à dégager la fonction transfert, les mesures expérimentales et puis déterminer la fonction transfert. Maintenant, je vais parler un peu de l'identification fréquentielle. Qu'est-ce que ça veut dire, l'identification fréquentielle en boucle ouverte? Donc, je prends mon système et j'applique une sinusoïde à l'entrée d'amplitude à 1 et de phase phi 1. Et je vais enregistrer le signal de sortie qui est une sinusoïde d'amplitude à 2 et de phase phi 2.
D'accord. Donc, prenons l'exemple d'un bras de Maxbit. C'est un bras de robot que vous voyez ici. Donc, voilà, je vais appliquer à l'entrée une sinusoïde. D'accord. C'est une tension, mais j'ai un transducteur qui va traduire ça. Donc, voilà. Donc, la consigne que je vais appliquer, c'est une position angulaire sinusoïdale qui sera... derrière, il y a un transducteur qui va traduire ça en un signal électrique sous la forme d'une sinusoïde. Et donc, le système, le bras, va osciller entre deux positions sous la forme d'une sinusoïde comme sortie. D'accord? Et là, je vais enregistrer les deux, l'entrée et la sortie. Voilà, je récupère. Donc, ce qui est en bleu, là, c'est la réponse du système. Donc, ça permet de déterminer le décalage horaire que vous voyez ici, qui permet de déterminer le déphasage. Et vous voyez ici l'amplitude de sortie et l'amplitude d'entrée. Ça permet de déterminer le gain. C'est 20 logs du rapport de ces deux amplitudes. Et donc, là, pour une fréquence donnée, pour une fréquence donnée, ou bien pour une pulsation donnée, parce que la pulsation, c'est 2 pi fois la fréquence de pi f. Donc, je peux dégager le gain et le déphasage. Ça, c'est un point de mesure. Donc, puis je vais faire varier la fréquence encore une autre fois et je vais récupérer un autre enregistrement qui permet de dégager de nouveau le déphasage et le gain. Donc, regardez qu'est-ce qu'on va faire. Donc, par exemple, pour une pulsation de 1 radian par seconde, je récupère cet enregistrement. Vous voyez ici le taux 1, vous voyez les deux amplitudes, donc ça c'est 2 à 2 et ça c'est 2 à 1. Donc je me base sur ces deux formules, le gain c'est 20 log de A2 sur A1 et le déphasage c'est 2 pi sur T fois tout. Et puis donc en fait je refais encore pour une pulsation oméga est égal 2 radian par seconde. Puis j'augmente, je prends oméga est égal 3 radians par seconde. Et pour chaque mesure, je dégage le gain et le déphasage. Et donc, je peux représenter vraiment la courbe d'amplitude gain en fonction de la pulsation et la courbe de déphasage en fonction de oméga. Et donc, je vais identifier un système étalant. Bien évidemment, je vais dire, ah tiens, ça ressemble à un système de premier ordre. Donc, H de P de la forme K sur 1 plus tau P. Et je vais savoir, que, je sais, enfin, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment savoir identifier la fonction transfert à partir de la réponse fréquentielle, à partir du diagramme de Bott. Voilà. Pour un système de premier ordre, il suffit de déterminer K et tout. C'est ce qu'on va voir vraiment aujourd'hui. Donc aujourd'hui, principalement, on va voir comment identifier la fonction transfert expérimentalement d'un système de premier ordre et d'un système de second ordre. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais commencer avec l'étude d'un système de premier ordre. Donc, ce que j'ai présenté, c'est avant tout ça. Donc, en fait, vous montre comment, c'est quoi l'approche expérimentale exactement et à quoi ça sert vraiment ce chapitre. Parce que on se trouve bloqué au niveau de la fonction transfert. On ne peut pas dégager ça à partir des lois du comportement. Je sais très bien maintenant que vous êtes en mesure de traduire les lois du comportement et déterminer les fonctions transfert. Non seulement ça, vous êtes en mesure aussi de simplifier les schémas blocs, mais attention, donc parfois on se bloque, on ne sait pas comment déterminer les lois de comportement d'un tel système. Et donc là, on passe à l'expérimentation. Donc, une expérimentation, il y a deux approches. L'approche qui ne fait pas partie du programme, c'est l'approche d'identification en boucle fermée, donc ça ne vous concerne pas. Mais il y a aussi l'identification en boucle ouverte, là, ça vous concerne. Et il y a donc deux sortes pour l'identification temporelle et l'identification fréquentielle. Principalement, l'identification temporelle, on va voir la réponse indicielle, et l'identification fréquentielle, on va se concentrer sur le diagramme de Bott. Donc, deux types de systèmes qu'on va étudier, le système de premier ordre et le système de second ordre. Voilà, je vais commencer avec le système de premier ordre. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour le système de premier ordre? Je vais présenter l'étude théorique. Donc, pourquoi? Pour pouvoir comprendre comment identifier expérimentalement la fonction transfert. Derrière, je vais détailler l'étude théorique pour arriver à la lire de la réponse. Que
va être normalement identifié expérimentalement après. Alors, donc, c'est quoi un système de premier ordre? Tout simplement, il est régi par une loi de comportement ou bien une équation différentielle de premier ordre. Si l'équation différentielle qui modélise le comportement de votre système est une équation de premier ordre, alors votre système est dit système de premier ordre. Donc, voilà y de t et plus taux y point de t est égal à x de t. Ce n'est pas à apprendre. Hein. Bon, j'ai à apprendre, mais juste je vous explique les choses. Donc, K, c'est le gain statique. Ce n'est pas le gain dynamique, c'est le gain statique. Donc, ça se voit que c'est un système naturellement stable. Donc, en fait, il n'y a pas une intégration dedans. Taux, c'est la constante du temps du système. Donc, si je traduis cette équation dans le domaine de Laplace, en admettant qu'il y a condition initiale nulle, ça va être y de p facteur de 1 plus taux p égale k grand x de p. Si je fais le rapport y de p sur x de p, je me trouve avec la fonction tranchée que vous voyez ici. Ça, par ailleurs, il faut savoir ça. Il faut donc apprendre par cœur cette fonction tranchée qui représente la fonction tranchée d'un système de premier ordre, chose que vous connaissez déjà dans le cours de physique. Donc, pour les filtres, vous dites que h de j oméga est égal k sur 1 plus j taux oméga. P, pour nous, c'est j oméga dans le domaine fréquentiel. Alors, on avance. Maintenant, je vais voir la réponse indicielle pour un système de premier ordre. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai mon système. Ici, j'ai l'entrée, j'ai la sortie, j'ai h de p. Je vais appliquer à l'entrée un échelon d'amplitude a ici. Donc, une réponse est dite indicielle si l'entrée est de type échelon. Donc, soit x de t est égal à i de t, je traduis ça dans le domaine de Laplace, x de p est égal à a sur p. Dans ce cas, la sortie y de p dans le domaine de Laplace, c'est h de p x de p, et ça va me donner k a sur p facteur de 1 plus ton p. Puis, je vais décomposer un élément simple pour pouvoir traduire ça dans le domaine temporel, appliquer la transformée inverse de Laplace. Tout calcul fait, je me trouve avec cette équation. Bon, ce n'est pas une équation à apprendre. Hein. Tout ça, vous êtes en mesure de le faire. Hein. Tout ça, vous êtes en mesure de le faire. Et on l'a déjà fait dans la science passée. Et donc, par ailleurs, ce qui est important à retenir, c'est les limites, enfin, les conditions limites de cette équation. Hein. Y de 0, c'est 0. Donc, en fait, Y de l'infini, la limite à l'infini, c'est K fois A. K fois A, K c'est le gain statique, A c'est l'amplitude de l'échelon. Peut-être cette valeur est utile pour nous pour pouvoir déterminer le gain statique. D'accord? Donc, puis, il y a un paramètre très intéressant, c'est le temps de réponse à 5%, TR 5%. C'est quoi ce paramètre? C'est le temps nécessaire pour atteindre 95% de la valeur à l'infini. C'est-à-dire, si j'applique... si la réponse de mon système est de... ça va donner à la sortie 100. Donc, le temps de réponse à 5%, c'est le temps nécessaire pour atteindre 95. D'accord? Voilà, c'est ça. Donc, le temps de réponse, c'est un paramètre... Oui, il y a une question? Brendy, le temps de réponse au habit ou le temps de stabilisation? Le temps de réponse au bidou, le temps de stabilisation. Oui. Ben, merci, monsieur. Ben. Alors, le temps de réponse à 5%, donc c'est un paramètre qui caractérise la rapidité du système. D'accord? Donc, comment déterminer ça pour un système de premier ordre? C'est très simple. Y de TR 5%, c'est égal, donc 0,95 Y à l'infini. Alors, tout calcul fait, ça me permet trouver ça, le temps de réponse à 5%. C'est égal 3 taux pour un système de premier ordre. D'accord? Donc, le temps de réponse pour un système de premier ordre est toujours 3 fois taux. Taux, c'est la constante du temps du système. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Donc, principalement, ce qu'il faut retenir, c'est que, voilà, y de 0, c'est 0. Y de l'infini, c'est k fois a. Puis, le temps de réponse à 5%, c'est 3 taux. Donc, ça permet d'avoir 95% de la valeur à l'infini. Il y a aussi un autre point qu'on peut voir, le y de taux. Taux, c'est la constante du temps. Au bout d'un temps égal à taux,
Donc, on atteint 63% de y à l'infini. Ça, c'est faux. Il faut que je corrige ça. C'est pas 95, c'est 0. Je me suis trompé. C'est 0,63. Voilà. Ka. Bon, voilà. Donc, voilà, c'est ça. Alors, maintenant, comment représenter l'allure de la réponse? Voilà l'allure de la réponse d'un système de premier ordre. Donc, la valeur à l'infini, c'est K fois A. Vous voyez ici, c'est K fois A, la valeur à l'infini. Donc, puis, vous avez au bout de 63, K fois A correspond à tout. Donc, ça permet de représenter ce point. Au bout de 95% de la valeur infinie, permet de trouver 3 taux, ça permet de représenter ce point. Donc, je représente ce point, je représente ce point, puis vous avez le point 0 parce que y de 0, c'est 0. Vous représentez la tangente en 0. Donc, la tangente en 0 coupe l'asymptote à l'infini, donc en taux. Vous voyez, ça coupe l'asymptote à l'infini en taux. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai la tangente en 0, j'ai l'asymptote à l'infini, j'ai les deux points qui correspondent à taux et 3 taux. Donc là, je peux représenter la réponse indicielle de mon système qui est de premier ordre. Donc, maintenant, si je fais le chemin à l'envers, maintenant, j'ai fait une mesure expérimentale et j'ai récupéré cette allure. Cette courbe, comment identifier la fonction transfert? Alors pour moi, identifier la fonction transfert revient à déterminer K et taux. Comment déterminer K et comment déterminer taux? Donc, moi, je connais l'amplitude de l'échelon que j'ai appliqué, qui est A. Donc, il suffit de voir la valeur à l'infini. La valeur à l'infini permet de déterminer K. Donc, la valeur à l'infini, c'est K fois A. Pour trouver le gain statique, il suffit de diviser la valeur à l'infini par l'amplitude de l'échelon. Puis, pour déterminer taux, il y a mille façons de faire. Donc, en fait, vous pouvez voir 63% de la valeur infinie qui correspond à taux. Souvent, moi, je fais ça. Hein. Ou bien, vous pouvez voir 95% de la valeur infinie correspond à 3 taux. Ou bien, vous représentez la tangente en 0 qui correspond à taux. Ben, personnellement, je fais 63% de la valeur à l'infini et je récupère la constante du temps. Voilà. Donc, la philosophie de ce chapitre, bon, l'approche théorique que j'ai présentée, vous êtes tous en mesure de le faire. On ne vous demande pas souvent ça, donc en fait, mais ce qui est important dans cette approche, c'est si je vous donne l'allure de la réponse, comment dégager la fonction transfert. Voilà. Parce que l'objectif, toujours, c'est d'identifier expérimentalement la fonction de transfert. Cela ne néglige pas la démarche analytique que j'ai faite. Donc, en fait, vous êtes en mesure toujours de faire ça. C'est une étude simple pour chercher la réponse. Et on a déjà fait ça dans la séance passée. Alors, on avance. Maintenant, je vais présenter la réponse fréquentielle d'un système de premier ordre. La séance passée, j'ai bien présenté le diagramme de Bott. Et comment représenter le diagramme de Bott? Pour des fonctions de transfert un peu complexes. Maintenant, je vous donne la fonction transfert assez basique. C'est la fonction transfert d'un système de premier ordre de la forme K sur 1 plus taux P. D'accord? K, c'est le gain statique et taux, c'est la constante du temps. D'accord? Bien. Alors, là, il y a un seul pôle. Donc, le pôle ici, c'est moins 1 sur taux. Si je calcule le module, c'est 1 sur taux. Donc, la pulsation de coupure, c'est 1 sur taux. Puis, donc, le tracé asymptotique du gain. Pour les faibles fréquences, c'est une droite horizontale, c'est l'axe des abscisses. Ben, ça dépend, ce n'est pas l'axe des abscisses, attention, ça commence à partir de 20 log de K, parce que K ici, c'est le gain statique. Donc, 20 log de K. Si K est égal à 1, ça va être l'axe des abscisses, jusqu'à ce que je rencontre la pulsation de coupure, qui est le module d'un pôle. Donc, le tracé du gain subit une variation de pont de moins 20 décibels par décade. Et donc, l'asymptote à l'infini, ça va être une droite de pente moins 1. Donc, chose qui caractérise un système de premier ordre. Puis, pour la phase, puisque c'est un pôle négatif, lorsque je rencontre la pulsation de coupure, le tracé du gain subit une variation de pente, décroît de 90 degrés. Et donc, vous voyez ici, il décroît de 90 degrés. Alors, en regardant la réponse fréquentielle, vous pouvez très vite savoir s'il s'agit bien d'un système de premier ordre. Il suffit de voir la pente
à l'infini, c'est moins 1, c'est moins 20 décibels par dicade. Vous pouvez vérifier ça. Vous pouvez prendre deux points et regarder est-ce que c'est une droite de pente moins 1 ou bien non. Aussi, vous regardez la phase varie de 0 à moins 90. Donc, ça, c'est une caractéristique d'un système de premier ordre. Maintenant, comment peut-on dégager la fonction transfert à partir d'une réponse fréquentielle? Admettons que je vous donne cette réponse et je vous demande d'identifier. Identifier, comme je l'ai dit, la fonction transfert d'un système de premier ordre revient à déterminer K et déterminer taux. Maintenant, comment je peux dégager K? K, c'est très simple. Il suffit de regarder la valeur initiale, c'est 20 log de K. D'accord? Ça permet de dégager K. Si 20 log de K est égal à, par exemple, dans K, c'est égal à 10 exposant 1 sur 20. D'accord? Puis, vous pouvez chercher la pulsation de coupure. La pulsation de coupure correspond à 1 sur taux. Ça, si je vous donne vraiment le tracé asymptotique. Ou bien vous regardez ici, moins 45 correspond à la pulsation de coupure qui est 1 sur taux. Donc, c'est vite fait. Donc, vous pouvez déterminer taux. Aussi, pour un système de premier ordre, si je vous donne le tracé réel uniquement, je ne vous donne pas le tracé asymptotique et vous remarquez vraiment que c'est un système de premier ordre, vous pouvez prendre la valeur initiale, vous retranchez 3 décibels, puis vous projetez ici, ça permet de trouver la pulsation de coupure. Mais il y a mieux que ça, vous pouvez passer à la phase, prendre moins 45, vous projetez ici, et vous regardez ici, ça c'est la pulsation de coupure, c'est 1 sur taux. Donc la pulsation de coupure permet de dégager taux, et la valeur initiale permet de dégager K. Voilà donc les deux approches, identification temporelle pour un système de premier ordre, c'est la réponse indicielle, j'ai mis l'accent sur la réponse indicielle, et vous voyez ici l'identification fréquentielle, donc comment déterminer la fonction transfert à partir du diagramme de Bode. Je passe à une application. Je vous donne une application. Donc, c'est un système de plateau entraîné par un motoréducteur à courant continu, le moteur. Vous voyez ici le moteur, c'est celui-là. Et ça, c'est le réducteur, ça, c'est l'axe de rotation du plateau. Donc, voilà les équations qui régissent le fonctionnement de votre moteur. Donc, première question qu'on a déjà fait la séance passée, traduire ces équations dans le domaine de Laplace, sachant que les conditions initiales sont supposées nulles. Ben, la première équation, E de t est égal U de t moins R I de t, donc devient très rapidement E de p est égal U de p moins R I de p. Vous respectez la convention de notation. Les lettres dans le domaine de Laplace sont notées en majuscules. La variable, c'est la variable de Laplace. Attention aux propriétés de cet opérateur qui est l'opérateur de Laplace. Donc, vous appliquez bien ces propriétés. Deuxième équation, E de t est égal à KE oméga de t. Donc, ça donne E de p est égal à KE grand oméga de p. Troisième équation, CM de t est égal à KTI de t devient CM de p est égal à KTU de p. Et la dernière, CM de p est égal à J équivalent P oméga de p parce que la transformée de Laplace de la dérivée de oméga de t par rapport au temps, c'est P oméga de p. Voilà. Voilà les quatre équations dont met de la place. C'est une question basique qu'on vous demande souvent lorsqu'on vous donne les lois de comportement et pour par la suite passer à mettre en place le schéma bloc. Alors, la question 2, c'est celle-là, compléter le schéma bloc. Moi, j'ai donné directement la réponse. On vous donne généralement un schéma bloc vide et on vous demande de compléter ça. Mais on précise l'entrée, la sortie et souvent les signaux donc, qui existent entre les blocs. Alors, donc si je prends le premier bloc, la sortie de ce bloc, c'est I de P. Et l'entrée de ce bloc, c'est U de P moins E de P. Donc, je vais plutôt utiliser cette équation. Et donc, la fonction transfert, c'est I de P sur U de P moins E de P. Ça va me donner 1 sur R. Puis, le deuxième bloc, la sortie, c'est CM de P. L'entrée, c'est I de P. Donc, sur le rapport, je vais me baser sur cette équation. Donc, c'est ça, non? Donc, CM de P sur U de P, ça va me donner KT. Et puis, ce bloc, donc la sortie sur oméga de P sur CM de P, je vais utiliser celle-là. Donc, c'est 1 sur J équivalent P. Et ça, c'est la boucle du retour. La sortie, c'est E de P, l'entrée, c'est oméga de P. Et donc, la fonction transfert va être KE. Voilà. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc, en fait, on refait ce que nous avons vu la séance passée.
Maintenant, on vous demande de déterminer la fonction transfert. De même, là, je demande des outils que nous avons vus la séance passée. Donc, c'est très simple à simplifier ça. C'est un schéma sous la forme d'une structure en boucle fermée. Vous multipliez ce bloc fois ce bloc fois ce bloc, je veux dire les fonctions transfert, hein, sur 1 plus le produit de ces quatre fonctions transfert. Et ça va donner très rapidement KT sur KT KE plus RJ équivalent P. Ou bien, moi, j'ai fait une étape en plus. Ça, c'est K1 sur KE. J'ai essayé de ramener ça sous la forme de la fonction transfert d'un système de premier ordre. Vous voyez, donc en fait, c'est K sur 1 plus taux P. J'ai essayé de l'identifier à... Sachant que ce n'est pas demandé dans cette question, vous n'êtes pas vraiment censé de faire cette étape. Mais de toute façon, vous allez rencontrer ça dans la question suivante. La question suivante, donc, on vous donne une mesure expérimentale. Mais cette fois-ci, fréquentielle, c'est le diagramme asymptotique de Bode. Lors du fonctionnement de ce moteur en charge, on a relevé les diagrammes de Bode. À partir de ces courbes, on donne ci-après les diagrammes asymptotiques correspondants. Ça, je l'ai récupéré du concours 2007, je pense. Donc, on vous a donné à peu près ça, à peu près ce que j'ai présenté, et principalement ce diagramme. Alors, on vous demande d'identifier numériquement la fonction transfert. Là, c'est une identification expérimentale, vraiment. Et le moteur, ici, il fonctionne à vide. En charge. Voilà, en charge. Alors, pour identifier ici la fonction transfert, tout d'abord, il faut vraiment être sûr que vraiment c'est un système de premier ordre ou bien un système de second ordre. Nous, jusqu'à le moment, on a vu le système de premier ordre. Donc, si vous regardez la pente ici, c'est moins 20 décibels par dicade, et la phase varie de moins 90 à 0, donc c'est bien un système de premier ordre. Donc, nécessairement, la fonction transfert va être de la forme K sur 1 plus taux P. Maintenant, la question... Voilà, donc en fait, j'ai bien précisé ça, système de premier ordre, donc gain de pente et phase entre. Donc, maintenant, comment dégager K et taux? Ben, je vais commencer avec peut-être K, le gain statique. Ça, c'est la valeur initiale, c'est moins 6 décibels. Donc, normalement, puisque c'est un système de premier ordre, il y aura la forme, la fonction transfert K sur 1 plus taux P. Donc, pour dégager K, 20 log de K est égal à moins 6 décibels. Et donc, K est égal à 10 exposants, moins 6 sur 20. Moins 6 sur 20, c'est moins 0,3. Et donc, K est égal à 0,5. D'accord? Puis, la pulsation de coupure, c'est égal, oméga C est égal à 1 sur taux, est égal à 20 radians par seconde. Ça permet de dégager taux. Et donc, taux, c'est égal à 0,05. Donc, voilà. Donc, en fait, numériquement, la fonction transfert de mon système, H de P, c'est égal à 0,5. Sur 1 plus 0,05 P. N'oubliez pas que nous avons, avec une démarche, donc en se basant sur les lois de comportement, nous avons déterminé la fonction transfert que vous voyez ici. Vous voyez? Ça, c'est à partir des lois de comportement. Par ailleurs, expérimentalement, nous avons dégagé la fonction transfert numériquement et c'est cette fonction. Donc, normalement, on peut identifier les deux fonctions entre la fonction numérique déterminée expérimentalement et la fonction qui est exprimée en fonction des paramètres du système, d'accord, déterminée à partir des lois de comportement. Maintenant, j'avance. La question suivante, déterminer KE, J équivalent, sachant que R est égal et KT est égal. Moi, donc, en fait, ça, c'est une approche qui permet de déterminer l'inertie équivalente. Ben voilà, donc, en fait, H de P est égal à 1 sur KE plus R sur 1 plus RJ équivalent sur KT KEP. Cela veut dire que 1 sur KE est égal à 0,5 et tout ça est égal à 0,05. Et voilà, vite fait, donc KE égale et J équivalent égale. J équivalent, c'est le moment d'inertie équivalente, ramené sur l'axe moteur. Vous vous rappelez bien, j'ai parlé de ça. Hein? J'ai parlé de ça dans la partie mécanique. Et là, je peux vraiment vous poser ce problème hein? Dans la partie mécanique. Je peux vous donner le plateau que vous voyez ici. Hein? Je peux demander de déterminer la matrice d'inertie. Ça ressemble à un disque hein? De rayon R. Et puis, je vous donne... Donc, le schéma cinématique du réducteur
et les inerties de chaque arbre, et on peut vraiment appliquer une partie cinématique dedans, et puis on peut chercher l'énergie cinétique de l'ensemble formé par le plateau et les arbres du moteur, du réducteur. Et puis, donc, en fait, on peut dégager l'énergie équivalente théoriquement. Là, donc, en fait, l'énergie équivalente ramenée sur l'axe moteur expérimentalement, c'est égal à 0,025 kg/m². Kg/m², c'est l'unité du moment d'inertie. D'accord? Voilà, donc, en fait, c'est un petit exercice et qui ressemble beaucoup vraiment au concours 2007. J'ai modifié un tout petit peu quelques questions. Ben voilà, la question 6, on vous demande de tracer la réponse temporelle de ce moteur s'il est soumis à un échelon de tension d'amplitude du zéro. Là, je parle principalement de la réponse indicielle. Donc, comment représenter ça? Admettons qu'il n'y a rien ici. Donc, en fait, j'ai que les axes, l'axe du temps et l'axe de la réponse. Donc, tout d'abord, je vais chercher à placer les taux. Taux et trois taux. Taux, c'est ici, par exemple. Bon, je respecte l'échelle. Hein? Il faut que je respecte l'échelle. Moi, je fais à peu près ça. Puis, je représente l'asymptote à l'infini. Je le calcule. C'est 0,5 parce que c'est le gain statique fois U0. Voilà. Puis, je calcule. Je représente. Ça, c'est. Qui passe par taux. Donc, pour représenter la tangente en zéro, tangente en zéro passe par ce point et ce point. Puis, je vais chercher, 0,63 degrés à l'infini. Donc, ça correspond à taux. Puis, 95%. Voilà, ça, c'est le premier point. Puis, 95% degrés à l'infini correspond à 3 taux. Et puis, voilà, je peux représenter la réponse. Donc, principalement, lorsqu'on vous demande une question de ce genre, normalement, on va mettre l'accent sur ces points. Il faut mentionner, représenter ce point, représenter ce point, représenter cette asymptote et la tangente en zéro. Bien évidemment, pour représenter ce point et ce point, il faut mettre l'accent sur ça, et bien évidemment, sur cette valeur et sur cette valeur. D'accord? Voilà. Donc, c'est une question basique. Vous voyez vraiment que c'est une partie d'un sujet. Presque 6 questions que vous êtes maintenant en mesure de faire ça. Bien, j'avance. Maintenant, normalement, je vais passer au système de second ordre. Identification expérimentale en boucle ouverte. Donc là, c'est quoi un système de second ordre? Un système est dit de second ordre si la relation entre l'entrée et la sortie est régie par une équation différentielle de second ordre. Ben, c'est pas la peine de l'apprendre par cœur, hein. Elle a cette forme, y de point, plus 2m oméga 0 y point, plus oméga 0 carré y de t, égale k oméga 0 carré x de t. K, c'est le gain statique. M, c'est le coefficient d'amortissement. Il est sans unité. Oméga 0, c'est la pulsation propre non amortie en radians par seconde. Pour l'unité du gain, souvent on vous demande de mettre en place l'unité. Ça dépend de l'unité de sortie et l'unité d'entrée. On fait le rapport des deux unités. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais traduire cette équation dans le domaine de Laplace. Donc, ça va devenir y de p facteur de p carré plus 2m oméga 0 p plus oméga 0 carré est égal k oméga 0 carré grand x de p. Je fais le rapport h de p, c'est y de p sur x de p. Tout calcul fait, je me trouve avec cette fonction transfert. Ben, oubliez tout ce que j'ai présenté tout à l'heure. Voilà la fonction transfert qu'il faut apprendre vraiment par cœur. H de P, c'est K sur 1 plus 2M sur oméga 0 P, plus P carré sur oméga 0 carré. K, c'est le gain statique. M, c'est le coefficient d'amortissement. Oméga 0, c'est la pulsation propre non amortie en radians par seconde. Voilà. Maintenant, on va voir. Donc, je m'amuse avec une application basique, vraiment. On ne va pas vous demander une question de ce genre, hein, mais peut-être ça ressemble un peu à ça. Je vous donne cette fonction transfert. H de P est égal à 5 sur 1 plus P carré. Et je vous demande d'identifier la fonction transfert. C'est-à-dire, ça se voit que c'est un système de second ordre. Donc, normalement, la fonction transfert est de la forme K sur 1 plus 2M sur oméga 0P plus P carré sur oméga 0 carré. Si je vous demande d'identifier la fonction transfert, là, implicitement, je demande de chercher K, M et oméga 0. Alors,
Donc, c'est très simple. Ici, k, c'est égal à 5. Pourquoi? Parce qu'ici, déjà, le 1 existe. Donc, on ne va pas diviser par la constante qui existe dans le dénominateur pour ramener l'équation, la fonction transfert identique à celle de la fonction, la forme canonique de la fonction transfert d'un système second ordre. Alors, k, c'est égal à 5. On est d'accord là-dessus. Puis, normalement, 2m sur oméga 0 est égal à 1. Parce que le coefficient de P, c'est 1. Puis, 1 sur oméga 0 carré est égal à 1. Parce que ici, P carré sur oméga 0 carré, voilà. Donc, le 1 sur oméga 0 carré est égal à 1, oméga 0, donc est égal à 1 radian par seconde. Je reviens ici pour chercher M. M, c'est égal à 0,5. Voilà. J'ai le système qui a cette fonction transfert. Donc, il a un gain statique 5, un coefficient d'amortissement 0,5 et une pulsation propre non amortie 1 radian par seconde. On avance, hein. Donc maintenant, je vais étudier avec vous la réponse indicielle, c'est-à-dire si j'applique à l'entrée un échelon d'amplitude A. Voilà, donc en fait, l'échelon d'amplitude A, x de P, c'est égal à A sur P, et donc y de P, c'est h de P, x de P. Je pense que c'est un calcul classique basique. Donc ça, c'est une étude générale. Peut-être pour quelques-uns, vous voyez que c'est un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas. Donc, on vous demande ce genre de calcul, je vais mettre l'accent sur les choses qu'il faut savoir. Donc, je me trouve avec cette réponse. Y de P, c'est égal qu'à A sur P, facteur de 1, plus 2M sur oméga 0P, plus P carré sur oméga 0 carré. La logique dit ici qu'on va décomposer Y de P en éléments simples. Mais pour la décomposer, il faut vraiment regarder ce polynôme. Je vais utiliser un outil que vous avez vu en cinquième année secondaire. Cinquième année secondaire, c'est-à-dire pour vous, deuxième année secondaire. Trois cas donc sont à considérer en fonction du signe du discriminant réduit. Moi, je vais utiliser le discriminant réduit. Normalement, si je prends ax carré plus bx plus c est égal à 0, donc le discriminant, c'est b carré moins 4ac. Là, j'utilise c'est b carré moins ac. Donc, en fait, je trouve ça. Voilà, et donc, voilà le discriminant réduit. Donc, je vais étudier le signe du discriminant réduit. Donc, 1 sur oméga 0 carré, facteur de 1 carré moins 1. Donc, mathématiquement, il y a trois cas possibles. Donc, delta prime positif, delta prime nul, delta prime négatif. Physiquement, donc, pour avoir delta prime positif, il faut avoir m supérieur à 1. Delta prime égal à 0, il faut avoir m est égal à 1. Delta prime négatif, il faut avoir m inférieur à 1. N'oubliez pas que m, c'est le coefficient d'amortissement. Alors, là, on peut classer les régimes de ce système, c'est-à-dire la forme de la réponse, l'allure de la réponse. Si m supérieur à 1, on dit que c'est le régime apériodique sans dépassement. Il n'y a pas de dépassement. C'est-à-dire la réponse indicielle A est sous la forme d'une courbe en S. Il n'y a pas de dépassement, ce qu'on appelle la réponse indicielle en courbe en S, sous la forme de S. D'accord? Ça ressemble à celle de COVID-19. D'accord? Et puis, pour M est égal à 1, c'est le régime critique sans dépassement aussi, c'est une courbe en S aussi. Il n'y a pas d'oscillation, donc il n'y a pas de dépassement. Mais si M inférieur à 1, là, c'est le régime pseudo-périodique avec dépassement. Et là, on dit que c'est une courbe avec oscillation. Donc, nous, on va détailler ces trois régimes pour pouvoir donc identifier et étudier le système et cette réponse. Donc, je passe. Donc, si je résume maintenant, il y a trois régimes possibles. Si m supérieur à 1, c'est le régime apériodique sans dépassement. Si m est égal à 1, c'est le régime critique. C'est la limite entre le régime apériodique et le régime pseudo-périodique. Si m inférieur à 1, c'est le régime pseudo-périodique avec dépassement, c'est-à-dire la courbe présente des oscillations. Alors, on avance. Donc, je vais revenir à l'application que nous avons traitée tout à l'heure. H de P est égal à 5 sur 1 plus P carré. Une question souvent, on vous pose ça. Est-ce que la réponse indicielle présente de dépassement? C'est-à-dire, est-ce que la réponse indicielle ici présente d'oscillation? Alors, comment je peux répondre sur cette question? C'est très simple. Je vais chercher la valeur du coefficient d'amortissement.
chose que nous avons déjà calculée, donc nous avons trouvé m est égal à 0,5. Alors, puisque m est égal à 0,5, il est inférieur à 1, nécessairement, la réponse indicielle présente du dépassement. Et donc, c'est une courbe avec oscillation. D'accord? Donc, c'est très simple, il suffit de calculer le coefficient d'amortissement. En avance. Maintenant, je vais traiter la réponse indicielle pour le cas m supérieur à 1. D'accord? Alors, h de p est égal à k sur 1 plus 2m sur oméga 0p plus p carré sur oméga 0. Donc, il y a deux racines réelles, p1 et p2. On sait calculer ça. Donc, ce n'est pas à apprendre par cœur. Je ne vous invite pas à apprendre ça. Mais voilà la fonction, le polynôme 1 plus 2m sur oméga 0p plus p carré sur oméga 0. On peut l'écrire sous cette forme. 1 sur oméga 0, facteur de p moins p1, facteur de p moins p2. Encore mieux. On peut mettre la fonction transverse sous cette forme, k sur 1 plus taux 1p, facteur de 1 plus taux 2p, avec taux 1 est égal et taux 2 égal. D'accord? Donc, maintenant, je passe. Voilà, très vite, je me trouve avec y de p est égal à h de px de p, c'est égal ka sur p, facteur de 1 plus taux 1p, facteur de 1 plus taux 2p, c'est un calcul simple, calcul d'algèbre, décomposition en élément simple. Vous décomposez ça en élément simple, ça va être a sur p plus b sur 1 plus taux 1p plus c sur 1 plus taux 2p, tout calcul fait. On se trouve avec cette réponse, c'est pas à prendre par cœur. Hein. Donc y de t, c'est égal ka sur ainsi de suite. Voilà. Maintenant, ce qui est important pour moi, c'est la chose suivante. C'est l'allure de la réponse. Ah, vous voyez, il y a plusieurs courbes. Ben, c'est logique parce que chaque fois que je varie m, j'ai une réponse. D'accord? Maintenant, nous avons vu un système de premier ordre. Il est caractérisé par telle réponse indicielle. Et ça, c'est la réponse d'un système de second ordre. Donc là, il faut savoir comparer entre les deux. Pour la réponse de second ordre, vous voyez, la valeur à l'infini, c'est toujours k fois a, comme celle du système de premier ordre. Mais attention, il y a une tangente pour, horizontale, tangente horizontale en zéro. Donc, en fait, là, par ailleurs, pour un système de premier ordre, la tangente, c'est coupe l'asymptote à l'infini en taux, et donc, ce n'est pas vraiment horizontal. Hein. C'est incliné un peu, donc en fait, c'est incliné plutôt, et donc, ce n'est pas la même chose. Hein. Donc, la réponse d'un système de second ordre présente un point d'inflexion quelque part, quelque part ici. Bon, voilà. Là, donc, en fait, pour le bleu, c'est m est égal à 1,2. Donc, lorsque j'augmente m, vous voyez que la réponse, par exemple, regardez pour m est égal à 3, la réponse en vert. Hein, donc, la réponse met plus de temps pour atteindre l'asymptote à l'infini. Met plus de temps pour atteindre l'asymptote à l'infini. Et donc, cela veut dire que chaque fois m augmente, mon système devient moins rapide, donc plus lent. Donc, en fait, il met plus de temps pour atteindre la réponse. Et donc, implicitement, ici, si je parle du temps de réponse à 5%, vous vous rappelez bien, j'ai présenté ça pour le système de premier ordre. Donc, ce temps correspond à 95% de la, correspond au temps nécessaire pour atteindre 95% de la valeur à l'infini. Donc, nécessairement, ici, si m est supérieur à 1, le temps de réponse à 5%, qui caractérise la rapidité de mon système, augmente lorsque m augmente. Donc, regardez comment déterminer le temps de réponse. Donc, à 5%, c'est de la même philosophie. Donc, je représente donc, le segment qui passe par 95% de y à l'infini. L'intersection correspond au temps de réponse à 5%. Mais vous voyez, donc, en fait, chaque fois m augmente, le temps de réponse augmente. Donc, du simple au double, hein, pour m est égal à 1,2, j'ai un temps de réponse est égal à 0,6. En passant de 1 à m est égal à 3, donc le temps de réponse est égal à 1,6. Et donc, le système devient moins rapide et donc il met plus de temps pour atteindre la réponse à l'infini. D'accord? Voilà. Donc, la valeur à l'infini permet de déterminer k. Pour identifier vraiment, là maintenant la question, comment identifier monsieur la fonction transfert? Là vraiment, il y a
Il y a plusieurs méthodes, mais en fait, on ne met pas beaucoup l'accent dessus pour vous. Donc, en fait, sur le programme, il y a la méthode de Stretch, la méthode de Broida, il y en a d'autres. Donc, en fait, pour pouvoir identifier en représentant la tangente au point d'inflexion, il y a donc en fait un abaque à utiliser. Je peux vous présenter ça. Voilà comment ça, c'est la méthode de Stretch. Mais vraiment, j'aime pas vraiment vous embêter avec ça. Donc, c'est une approche qu'on utilise en se basant sur cet abaque pour pouvoir identifier le gain statique et le degré du système. Ben voilà, donc en fait, je ne vais pas vraiment travailler beaucoup. Il suffit de représenter la tangente qui passe par le point d'inflexion. Vous récupérez ces deux paramètres TU et TA. Vous avez aussi delta X, ça c'est qui permet de déterminer le gain statique. D'accord? Et ces deux valeurs TU et TA, vous calculez TU sur TA, vous mettez ici TA, et vous représentez, ça permet de trouver la constante du temps tau, θ ici, et le degré n. Vous voyez? Bon, bref, voilà, donc en fait, ça c'est vraiment hors programme pour vous. Hein. On avance. Maintenant, si je passe au régime critique, qui est aussi son dépassement, on peut même le classer comme étant une réponse apériodique. Hein. Donc pour m est égal à 1, parce que c'est une seule réponse et qui sépare entre les deux régimes, régime apériodique et le régime pseudo-périodique, c'est-à-dire c'est la courbe en S et la courbe avec oscillation. C'est la limite entre les deux. Alors le polynôme ici admet un pôle double. P0 est égal à moins oméga 0, et voilà, tout simplement, h de p, on peut l'écrire sous cette forme, k sur 1 plus tau 0 p au carré. Donc, y de p, c'est h de p fois x de p, n'oubliez pas que x de p, c'est a sur p, et du coup, ça devient ka sur p facteur de 1 plus tau 0 p au carré. Vous décomposez en éléments simples tout ça, donc vous savez faire ça, vous n'êtes pas vraiment censé d'apprendre cette approche théorique. Mais il faut comprendre que vous êtes en mesure de faire ça. Si on vous demande, on ne sait jamais, on vous demande ça, donc vous êtes en mesure de le faire. Hein. Alors, y de t égale. Bon, moi, je mets l'action plutôt ici. Hein. La figure suivante représente la réponse indicielle pour m est égal à 1. Donc, toujours tangente en 0, c'est horizontal. La valeur infinie, c'est k fois a. Le temps de réponse correspond à 95% de ka. Et voilà le temps de réponse. Ben, il faut noter une chose. Que pour m supérieur ou égal à 1, la réponse la plus rapide, c'est pour m est égal à 1. Donc, si je prends m est égal à 1, je trouve la réponse la plus rapide. Attention, c'est la réponse la plus rapide d'un système de second ordre sans avoir de dépassement, sans qu'il y aura des oscillations. Donc, c'est la réponse la plus rapide. Il faut prendre m est égal à 1, mais par la suite, on va voir. Pour m inférieur à 1, il y a encore une réponse plus rapide que ça si je prends m est égal à 0,7. D'accord? La réponse la plus rapide dans l'absolu pour un système de grand ordre, peu importe les dépassements, c'est pour m est égal à 0,7. Vous allez voir ça dans le diapo suivant. Mais pour un système de second ordre, la réponse la plus rapide sans avoir de dépassement, il faut prendre m est égal à 1. Parfois, pour des applications industriel, on cherche à ne pas avoir de dépassement. Prenons le cas d'un robot, par exemple, qui va vraiment positionner un truc avec une haute précision. Là, il ne faut pas vraiment dépasser, sinon il va endommager le système ou bien créer des problèmes. Donc, il faut travailler sur ça. Si tu veux vraiment avoir la rapidité et la bonne précision sans dépassement, il faut prendre donc en fait m égale à 1. Si vous prenez m égale à 0,7, qui est vraiment la réponse la plus rapide dans l'absolu d'un système de second ordre, mais là, il y a un risque de dépassement, il y a plutôt un dépassement, et donc là, c'est pour cette application en particulier, n'est pas souhaité. Donc en fait, n'est pas souhaitable, donc en fait, il faut l'éviter. Alors j'avance. Donc maintenant, je vais traiter le cas. Pour m est égal à 1, là, souvent, on vous pose des questions pour identifier, d'accord? Et on sait faire ça. Alors, là, le polynôme que vous voyez ici, 1 plus 2m sur oméga 0p plus p carré sur oméga 0 carré, possède deux racines complexes, p1 et p2. Deux racines complexes conjuguées. Donc,
Le module de P1, si vous calculez le module de P1 est égal au module de P2, est égal à oméga 0. Vous pouvez vérifier très rapidement ça. Alors, la réponse, voilà, moi, je parachute la réponse. Ce n'est pas à prendre, hein, y de t est égal, mais toujours, vous êtes en mesure de, si je vous donne les outils, là-bas, le tableau de transformer de la place, vous êtes en mesure de faire ça. Hein. Y de t est égal qu'à a facteur, ainsi de suite. Sinus oméga t plus phi. Ah, le oméga ici, ce n'est pas oméga 0, c'est la pseudo-pulsation. Vous voyez, le oméga, c'est oméga 0 racine de 1 moins m carré. Ça, c'est une expression intéressante pour moi pour pouvoir identifier par la suite la fonction transfert à partir de la réponse indicielle qui présente des oscillations. Alors, j'avance pour comprendre mieux ça. Alors, là, c'est le régime pseudo-périodique avec dépassement ou bien la réponse avec oscillation. Si vous voyez, il y a plusieurs courbes et il y a plusieurs valeurs de m. Mais notez bien que je travaille ici avec m inférieur à 1. La valeur à l'infini, c'est k fois a, la tangente toujours horizontale, mais maintenant, il y a des oscillations qui apparaissent. Alors, chaque fois m diminue et tend vers 0, donc les oscillations augmentent. D'accord? Voilà. Maintenant, si vous regardez m égale à 0,9, il y a vraiment un petit dépassement. Si vous regardez m égale à 0,7, il y a le dépassement. Mais notez bien, tout à l'heure, j'ai parlé de la rapidité, hein? La rapidité dans l'absolu d'un système de second ordre, c'est pour m égale 0,7. Alors, je pense que je vais parler du temps de réponse maintenant. Je vais parler de l'identification. L'identification, comment identifier le système? Donc, j'ai mis l'accent sur les formules les plus essentielles qu'on utilise. Bah, regardez ici, ça, c'est l'expression de la pseudo-pulsation. Oméga 0 est égal 2π sur t. 2π sur t, c'est la pseudo-pulsation. Racine de 1 moins m carré, ce que j'ai mis l'accent tout à l'heure. Hein. Ça, c'est oméga est égal 2π sur t. Oméga est égal 2π sur t est égal oméga 0 racine de 1 moins m carré. Alors, j'explique. Cette expression, oméga 0 est égal 2π sur t racine de 1 moins m carré, permet de déterminer la valeur de oméga 0. Permet de déterminer la valeur de oméga 0. Comment, monsieur, ça? Si je connais m et je connais la pseudo-période. La pseudo-période, c'est à partir de la réponse. Si vraiment il est hyper amorti, je n'arrive pas à dégager vraiment T, donc je peux utiliser T sur 2. Là, donc en fait, c'est la pseudo-période. Donc je mesure ça, donc en fait, et je l'utilise. Ben, puis, pour déterminer M, maintenant, l'handicap ici, c'est M. M, j'utilise ce qu'on appelle le dépassement pour cent. Le dépassement pour cent, c'est 100 fois y max sur y à l'infini, sur y max moins y à l'infini sur y à l'infini. Tout calcul fait, ça permet de trouver cette expression. Alors, c'est très simple. Vous récupérez la valeur du y max, vous avez la valeur à l'infini, donc c'est égal à exponentielle moins m pi sur la racine de 1 moins m carré. Alors, c'est uniquement ces deux formules vraiment qu'il faut savoir pour pouvoir identifier donc, la réponse indicielle. Si vraiment, moi que je pose l'exercice, je peux vous donner ces équations, c'est pas un problème. Mais en fait, je vous invite vraiment à retenir ces formules pour pouvoir les identifier. On ne sait jamais, on vous donne un truc comme ça. Alors, donc, la première équation permet de dégager M. Je passe à la deuxième pour déterminer oméga 0. Et la valeur à l'infini permet de dégager K parce que je connais l'amplitude de l'échelon. Voilà, je vous donne une application, je pense. Maintenant, voilà. Déterminer la fonction transfert, la réponse indicielle unitaire. Qu'est-ce que ça veut dire indicielle unitaire? Cela veut dire que l'échelon est d'amplitude 1. Donc, là, je vais chercher K. Donc, pour déterminer K, la valeur à l'infini, c'est égal K fois A est égal à 1. Puisque A est égal à 1, donc K est égal à 1. Donc, puis, je vais chercher le coefficient d'amortissement. Donc, je vais utiliser la formule y max moins y à l'infini sur y à l'infini est égal à exponentielle moins mp sur la racine de 1 moins m carré. Et voilà, j'applique le logarithme népurien à gauche et à droite, puis j'essaie de déduire m. C'est un calcul simple que vous pouvez faire. Donc, vous trouvez m est égal à 0,3. Là, j'ai trouvé m est égal à 0,3. Maintenant, pour déterminer oméga 0, donc la pseudo-période, c'est 0,66 secondes. Donc, oméga 0 est égal à 2π sur t racine de 1 moins m carré. Alors, tout calcul fait, je me trouve avec 10 radians par seconde. Et donc, la fonction transfert, h de p, c'est 1 sur 1 plus 2m sur oméga 0, si je remplace, je trouve ça, plus p carré sur oméga 0 carré, je me trouve avec ça. D'accord? Voilà, c'est une identification.
Parfois, on vous demande ça. Bien. Maintenant, comment déterminer le temps de réponse? Alors, tout à l'heure, on a représenté que 95% de la valeur à l'infini, mais parce que tout simplement, la réponse ne présente pas de dépassement. La définition exacte, normalement, on vous dit, même pour un système dans le régime apériodique, on vous dit, même pour un système de premier ordre, on dit qu'on représente une bande de plus ou moins 5% et on cherche là où la réponse rentre dans cette bande et ne sort plus. D'accord ? Rentre dans cette bande et ne sort plus. Donc, comme si là, on parle du temps de stabilisation du système. Donc, en fait, il rentre dans cette bande et voilà, ne sort plus. Donc, là, ce qu'on appelle le temps de réponse à 5%. Alors, maintenant, pour ce cas, donc si je veux vraiment, je prends uniquement 95%. Cela veut dire qu'il y en a des gens parmi vous, peut-être qui vont penser à ça. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le temps de réponse. Hein? Parce que la réponse rentre dans cette bande et sort par là. Donc, elle va passer par là et va revenir à cette bande. Elle rentre par ce point. Est-ce que vraiment c'est ça le temps de réponse? Non, ce n'est pas ça, parce qu'elle sort par là. Puis elle rentre par ce point. Est-ce que vraiment c'est ça le temps de réponse? Non, ce n'est pas ça, parce qu'elle sort par là. Et voilà le temps de réponse. Le temps de réponse, c'est l'instant à partir duquel la réponse rentre dans cette bande et ne sort plus. C'est-à-dire rentre dans cette bande et reste confinée dans cette bande. C'est le confinement de cette réponse. D'accord? Ne sort plus de cette bande. Voilà, donc en fait, là, par exemple, le temps de réponse, c'est 1,03 secondes. Ben maintenant, une fois on a compris comment on dégage le temps de réponse à 5%, j'aime bien revenir sur la réponse. C'est l'exemple tout à l'heure, lorsque j'ai présenté plusieurs courbes pour M03, M05, M07 et M09. Alors regardez, on va essayer de dégager le temps de réponse. J'ai préparé déjà la bande. Voilà la bande, c'est plus ou moins 5%. Là, donc en fait, je vais chercher le temps de réponse pour M est égal à 0,5. Vous voyez, j'ai commencé par M est égal à 0,5. Pour M est égal à 0,3, je ne l'ai pas fait. J'ai fait pour 3 cas. Essayez de regarder. Pour M est égal à 0,5, le temps de réponse est à peu près 0,53 secondes. Pour M est égal à 0,7, j'ai augmenté M et donc le temps de réponse diminue. C'est un peu paradoxal par rapport à M supérieur à 1. Ben, regardez ici, je trouve à peu près 0,28 secondes. Ben, c'est mieux. Hein? Maintenant, si je prends M est égal à 0,9, M est égal à 0,9, c'est la réponse verte et je me trouve avec 0,4. Ah, il n'y a pas vraiment... Donc, vous voyez ici que le temps de réponse est plus faible pour M est égal à 0,7. Hein? Ce n'est pas 0,5 non plus 0,9. D'accord? Alors, maintenant, je vais vous donner un ABAC qui résume tout. C'est l'ABAC du temps de réponse pour un système de second ordre. Si vous regardez bien cet ABAC, c'est une courbe. Ben voilà, je l'ai récupéré de l'Internet. Hein, voilà. Donc, c'est un diagramme log-log. Maintenant, vous êtes expert dans le papier Simulog. Et voilà encore, il y a ce qu'on appelle log-log, le diagramme log-log. L'axe des abscisses est une échelle logarithmique et l'axe des ordonnées aussi, c'est une échelle logarithmique. Alors, ce qui existe, dans l'axe des ordonnées, c'est oméga 0 TR 5%, ce qu'on appelle le temps de réponse réduit. Pourquoi on dit temps de réponse réduit? Parce qu'on a essayé de rendre cette entité sans dimension. Le temps de réponse, on a essayé de le multiplier par oméga 0. Oméga 0, c'est en radian par seconde. Le temps de réponse, c'est en seconde. Seconde sur seconde, c'est sans unité. D'accord? Et c'est un diagramme adimensionnel, sans dimension à gauche et à droite. Donc, si vous regardez l'axe des abscisses, c'est un quotient d'amortissement. Le quotient d'amortissement est sans unité aussi. Et donc, je représente sans unité, ce qu'on appelle, c'est adimensionnel, quoi, sans dimension. Bien, puis on a essayé de faire varier M, et chaque fois, on essaie de calculer le temps, ainsi de suite, on se retrouve avec cet ABAC. Normalement, on vous donne cet ABAC. Ben, bref, peut-être on ne vous donne pas ça. Mais il y a quand même des informations qu'il faut noter à côté. Il faut se rappeler souvent de ça. Maintenant, si vous regardez, mais une question très basique.
en analysant ces tabacs, je vous demande de déterminer la réponse la plus rapide correspond à quelle valeur de M. La réponse la plus rapide correspond à quelle valeur de M. Eh ben, vous allez me dire, ben, puisque ça, c'est le temps de réponse réduit, donc c'est la valeur la plus faible. Ben oui, parce que c'est ça. Elle correspond à M est égal. M est égal, ça c'est 0,5, 0,6, 0,7. Vous voyez, M est égal 0,7 me donne la réponse la plus rapide du système dans l'absolu. Mais attention, pour M est égal 0,7, c'est inférieur à 1, donc il y a un dépassement, il y a une oscillation. D'accord? Bien. Donc là, si vous analysez encore le diagramme, le oméga 0 TR 5% est égal à quoi? La valeur ici, c'est quoi? C'est 3. Donc oméga 0 TR 5% est égal à 3. Donc la réponse la plus rapide est pour M est égal à 0,7. Ça, c'est dans l'absolu pour un système de second ordre. TR 5% est égal à 3 sur oméga 0. Ah, ça, c'est à noter à côté. Peut-être dans le concours tunisien, dans l'approche tuniso-tunisienne, souvent on vous demande ça, mais normalement vraiment on vous donne la BAC ou bien on vous donne les équations hein, à côté. Bah, de toutes les façons, vous retenez ça, c'est pas méchant, donc de retenir en plus trois formules. Alors, TR 5% est égal à 3 sur oméga 0, donc c'est noté, je pense. Et la réponse la plus rapide pour un système de second ordre correspond à M est égal à 0,7. Maintenant, si je veux, ça, vous voyez, à peu près, pour M inférieur à 7, à peu près une droite, pour M supérieur à 7, à peu près une droite. Comment peut-on approcher la réponse, le temps de réponse en fonction de M? Est-ce qu'on peut trouver vraiment une formule? Alors, regardez, pour M inférieur à 0,7, si M inférieur à 0,7, presque c'est une droite. Mais si vous regardez ici, pour M est égal à 0,01, correspond à 300. Si je prends M est égal à 0,1, je trouve à peu près 30. Cela veut dire que je peux trouver une relation. Donc, c'est très simple de remarquer ça. Dans ce cas, on dit si M est inférieur à 0,7, le temps de réponse à 5% est égal à M sur 3 oméga 0. Bah, prenez par exemple M est égal... là, je pense que je me suis trompé. Non, ça c'est faux, c'est 3 sur M oméga 0. Je m'excuse, je corrige. Hein. Là, je corrige. Donc c'est 3. Moi, je, là, à peine j'apprends ça. Là, 3, qu'est-ce que j'ai noté? 3 sur M. Non, attends. Vous êtes avec moi, non? Oui, oui, monsieur. Vous comprenez, ça va? Oui, ça va. J'ai terminé. On va faire une application. Avec. Ben, attendez. J'ai fait une bêtise. J'ai effacé. Et là, je travaille avec un PC qui date depuis 2008. Voilà. Donc, en fait, à 3 sur M en méga 0. Ben, voilà. Moi, j'ai fait calcul direct hier et je me suis trompé. 3 sur M oméga 0. Voilà, c'est ça. Alors, regardez, je m'explique. Maintenant, on est d'accord pour M est égal à 0,7, j'ai la réponse la plus rapide. Et dans ce cas, temps de réponse est égal à 3 sur oméga 0. Maintenant, pour M inférieur à 0,7, je peux approcher ça par cette équation. TR 5% est égal à 3 sur M oméga 0. Ben, c'est très simple, il suffit d'écrire. Si M est égal à 0,01, TR oméga 0, TR 5% est égal à 300. Si M est égal à 0,1, oméga 0, TR 5% est égal à 30. Cela veut dire TR 5% est égal à 3 sur M oméga 0. Ben, vérifions ensemble. Si je prends M est égal à 0,01, 3 sur 0,01, donc c'est égal à quoi? 300. Donc, TR 5% fois oméga 0 est égal à 300. Si je divise 3 par 0,1, je trouve 30. Donc, TR 5% oméga 0 est égal à 30. Et donc, voilà l'équation qui approche un peu le temps de réponse en fonction des caractéristiques du système. Donc, on peut, pour M inférieur à 0,7, vous de calculer le temps de réponse avec cette formule. Ben, maintenant, si M est supérieur à 0,7, on peut approcher ça par cette droite aussi. Maintenant, si M est, regardez ici, si M est égal à 0, ben je vais prendre un stylo, donc voilà, un stylet. Donc pour 10, ça correspond à 60.
pour 100, ça correspond à 600. Vous voyez? Donc, Yanni, on peut approcher le temps de réponse par cette formule 6m sur oméga 0. Si je prends m est égal à 600, 6 fois m, ça va être 600. Donc, TR 5% est égal à 600. Si je prends m est égal à 10, ça correspond à 60. 6 fois 10, c'est 60. Donc, TR 5% fois oméga 0 est égal. Donc, voilà ces trois formules, vous pouvez vous rappeler de ça. Je peux encore vous donner plus. Hein, une équation en plus, hein. Regardez, si m est égal à 1, bah ça c'est pour m est égal à 1. Bah, tout à l'heure, on a dit que pour m est égal à 1, j'ai la réponse la plus rapide sans avoir de dépassement. Donc, c'est la réponse la plus rapide sans avoir de dépassement. Et le oméga 0 TR 5% dans ce cas est égal à 5. Donc, dans ce cas, le temps de réponse à 5% est égal à 5 sur oméga 0. Bah, la réponse la plus rapide sans avoir de dépassement permet de trouver un temps de réponse est égal à 5 sur oméga 0. Mais maintenant, si je vous compare ce temps de réponse à 5% et ce temps de réponse à 5%, ben, c'est nettement clair que pour m est égal à 0,7, c'est inférieur à pour m est égal à 1. Donc, la réponse la plus rapide, c'est pour m est égal à 0,7, ça dans l'absolu, mais malheureusement, la réponse présente des dépassements. Parfois, on tolère ce dépassement, ça ne gêne pas le fonctionnement du système, mais parfois, on exige vraiment d'éliminer ça, et donc, on choisit, si on souhaite avoir un système rapide sans avoir de dépassement, on prend m est égal à 1. Voilà. Ça, c'est du point de vue rapidité pour un système second ordre. Voilà. Donc là, en quelque sorte, j'ai commencé à mettre l'accent sur un critère de performance. C'est la rapidité du système. Qu'est-ce qui reste? Il reste deux critères. Le critère de stabilité et le critère de précision. Ce que je vais présenter la séance prochaine. La séance prochaine, normalement, ça sera en classe. Mais après, lorsque je termine, je vais faire une séance de révision pour vous aussi en ligne. Alors, maintenant, je vais traiter la réponse fréquentielle. La réponse fréquentielle ou bien l'identification fréquentielle de la fonction transfert pour un système second ordre. Ça, là, c'est super intéressant. Il faut vraiment comprendre ça. Alors, la fonction transfert d'un système de second ordre, on est d'accord là-dessus, c'est K sur 1 plus 2M sur oméga 0P plus P carré sur oméga 0 carré. Si M est supérieur à 1, tout à l'heure, on a vu qu'on peut ramener la fonction transfert sous cette forme. K sur 1 plus taux 1P, facteur de 1 plus taux 2p, avec taux 1, taux 2, voilà, P1 et P2, qu'est-ce que ça... Hein? Donc, maintenant, si je veux représenter la fonction transfert pour moi, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va représenter ça, ce H2p, d'accord? Parce que si je fais l'identification expérimentale, je vais, j'estime avoir une fonction qui ressemble à ça. Comment identifier la fonction transfert? Donc, voilà, je vais supposer. Là, j'ai, malheureusement, je n'ai pas écrit la fonction transfert avec le diagramme. Donc, j'ai deux pôles ici, hein, deux pôles, moins 1 sur taux 1 et moins 1 sur taux 2, deux pôles négatifs. Je calcule le module 1 sur taux 1 et 1 sur taux 2. Ça dépend de la valeur de taux 1 et taux 2. L'inverse, le plus petit qu'il faut prendre comme étant la première pulsation de Coupé, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, en fait, moi, j'ai supposé que taux 1 est inférieur à taux 2. Donc, 1 sur taux 1 supérieur à 1 sur taux 2. Je vais supposer oméga C1, c'est 1 sur taux 2. Et oméga C2, c'est 1 sur taux 1. Beaucoup de détails, mais maintenant, vous êtes professionnel dans le diagramme de Bode. Et voilà. Donc, là, j'ai... Si je représente, voilà, les deux pulsations de coupure, d'accord, voilà, et j'ai, si j'applique les deux règles, en présence d'un pôle réel soit pi, quand oméga augmente le tracé, la symmetrique du gain subit une variation de pan de moins 20 décibels par décade dès que l'on rencontre le module de pi. Ça, c'est le premier module. Puis, dès que je rencontre le deuxième, subit encore une variation de pan, ça devient moins 2. Et pour la phase, puisque il s'agit de deux pôles négatifs, chaque fois, elle décroît de 90, puis elle décroît de 90, on se trouve comme asymptote à l'infini, moins 180. Alors ça, c'est une caractéristique du système second ordre. Donc l'asymptote à l'infini pour le gain, c'est moins 40 décibels par décade, et la phase varie de 0 à moins 180 degrés. D'accord? Puis, maintenant, comment je peux identifier? Comment je peux identifier? Alors, là, si vous prenez oméga, la phase égale moins 90, voilà, elle correspond à, ça te permet de trouver oméga 0. L'intersection avec la courbe de la phase permet de trouver oméga 0. La valeur initiale,
permet de trouver, pardon, la valeur initiale permet de trouver k. 20 log de k est égal 0, donc k est égal à 1. 20 log de k est égal 5, donc k est égal 10 exposant 5 sur 20. Puis, comment déterminer m? Maintenant, j'ai déterminé oméga 0, j'ai déterminé k. Comment déterminer m? Donc, le gain qui correspond à oméga 0 est égal 20 log de k sur 2m. En prenant cette valeur, ça te permet de, très vite de calculer m, puisque tu connais k. Donc, c'est vite fait, tu peux déterminer m. Donc, si 20 log de k sur 2m est égal à 6, donc k sur 2m est égal à 10 exposant 6 sur 20, et puis tu essaies de résoudre cette équation, c'est, ça te permet de trouver m. Hein. Maintenant, ça c'est le régime, la réponse fréquentielle pour m supérieur à 1, et dans le, voilà, m supérieur à 1, et j'ai deux racines réelles, et voilà comment faire pour identifier, et comment représenter l'allure de la réponse. Voilà. Maintenant, si je prends m est égal à m supérieur à 1, là c'est faux, c'est m est égal à 1. M est égal à 1, c'est pas m supérieur à 1, c'est problème de copier-coller. Alors, m est égal à 1, donc h de p, on peut l'écrire sous cette forme, et donc j'ai un pôle double, et donc là, j'applique la règle deux fois. Donc, en présence d'un pôle réel, soit pi, quand omega augmente le tracé asymptotique du gain subi, une variation de pente de moins 20, moins 20 et moins 20, ça fait moins 40, et la phase toujours, donc toujours pour un système de contrôle, j'ai toujours la même chose. Donc, pente pour le gain, moins 2 à l'infini, et moins 2, c'est-à-dire moins 40 décibels par décade, et la phase varie de 0, moins 180, ainsi de suite. Donc voilà, et comment identifier? Toujours de la même façon, donc la pulsation de coupure ici, c'est simple, donc en fait c'est oméga 0. Donc comment déduire ça? Tu peux facilement, à partir de moins 90, déduire oméga 0. Et puis la valeur qui correspond ici, c'est 20 log de k sur 2m. Mais si m est égal à 1, ça va, tu vas trouver ici que c'est 6. Cette distance est égale à 6. Ça va être 20 log de k moins 20 log de 2, mais 20 log de 2, c'est 6. Bon, voilà. Donc, ça te permet de calculer m. Maintenant, voilà, si je passe pour le cas où m inférieur à 1. M inférieur à 1, nous avons deux pôles complexes. Et voilà, donc, en fait, l'allure de la réponse. Là, donc, en fait, il faut, attention, il faut comprendre bien ça. Alors, j'ai donné plusieurs valeurs de m. M égale 0,3, m 0,5, 0,7 et 0,9. Donc, pour m inférieur à 1. Là, donc, en fait, je représente les asymptotes. Toujours, la règle est valable pour un système de grand ordre. La pente à l'infini pour le gain, c'est moins 40 décibels par décade, et la phase varie de moins 180 à 0. Maintenant, comment identifier? Donc, si vous remarquez ici qu'il y a deux sortes de réponses. Il y a deux réponses en dessous de l'asymptote, qui sont la courbe mauve et la courbe verte, et deux autres qui sont au-dessus de l'asymptote et donc qui présentent une résonance, donc le gain passe par un maximum, et c'est pour m est égal à 0,3, 0,5. Donc regardez bien, donc en fait, c'est pour 0,7, 0,9, pas de résonance, m supérieur ou égal à 0,7, attention, m est inférieur à 1, donc là, pas de résonance. Et mais pour m inférieur à 0,7, il y a résonance. Donc, il y a résonance. Comment faire? Comment identifier pour les deux configurations, lorsque je n'ai pas de résonance, lorsque j'ai résonance, ainsi de suite. Mais toujours, vous notez ici que c'est oméga 0 qui correspond à moins 90. Et là, la valeur initiale, c'est 20 log de k. D'accord? Maintenant, si j'avance pour voir comment identifier. Maintenant, puisque j'ai soulevé le problème de résonance, maintenant, on va voir. Pour quelle valeur de m j'ai résonance, mais pour quelle valeur de m je n'ai pas de résonance? À partir de quelle valeur commence la résonance? La résonance est définie pour quelle valeur de m? On peut poser les questions suivantes. Alors, je vais vous montrer comment savoir ça et pour vraiment quelle valeur de m j'ai résonance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire résonance? Résonance, cela veut dire que le gain passe par un maximum. Le gain, c'est quoi? C'est 20 log du module de h du j oméga. Cela veut dire que le module de h du j oméga passe par un maximum.
Cela veut dire encore, puisque le module de H de J oméga, ça va générer une racine. Cela veut dire aussi que le module au carré passe par un maximum, puisque c'est positif. Alors, donc, là, je vais poser, je peux ne pas faire ça. Hein. J'ai posé une pulsation réduite oméga sur oméga 0, et le H de J oméga devient comme ça, H de J U, donc c'est K sur 1 moins U carré, ainsi de suite, pour simplifier un peu le calcul, mais toujours, vous pouvez faire le calcul sans adopter cette pulsation réduite. Hein. Pour la pulsation de résonance, j'ai dit ça, c'est bon maintenant. Donc, le module au carré, ça va me donner ça. Donc, pour trouver la pulsation de résonance qui assure, qui permet d'avoir un gain qui passe par un maximum, un gain maximal, donc en fait, je dérive par rapport à U, je trouve ça. U est égal à la racine de 1 moins 2m carré. Alors là, U c'est quoi? Donc, c'est oméga sur oméga 0. Donc, pour moi, c'est oméga R. C'est la pulsation de résonance, c'est oméga R, qui est égal à oméga 0 racine de 1 moins 2m carré. Voilà l'expression de la pulsation de résonance. Aussi, c'est une formule à retenir. Vous pouvez toujours faire ce calcul. Hein. Mais voilà, donc c'est oméga 0 racine de 1 moins 2m carré. Donc là, bon, généralement, c'est très proche de oméga 0. Hein. Si vous prenez m est égal à 0,1, 0,1 au carré, c'est 0,01. 0,01 fois 2, c'est 0,02. 1 moins 0,02, c'est 0,98. Racine de 0,98, c'est 0,99 fois oméga 0. Donc, c'est très proche. Bon, voilà. Donc, bon. Mais il y a une chose très intéressante dans cette expression. Le oméga R est égal à oméga 0, racine de 1 moins 2m carré. Ce n'est pas défini pour n'importe quelle valeur de m. Mathématiquement, cette résonance est définie si le 1 moins 2m carré est positif. On est d'accord là-dessus? Ah, ça permet de savoir la plage pour de M permettant d'avoir une résonance. Alors, la pulsation de résonance est définie pour 1 moins 2m carré positif. Cela veut dire que M inférieur à la racine de 2 sur 2 est égal à 0,707. Ah, très bien. Donc maintenant, pour M inférieur à 1, il y a deux sortes de réponses. Réponse avec résonance, réponse sans résonance. Si M compris entre 0,707 et 1, pas de résonance. Si M inférieur à 0,707, il y a résonance. D'accord? Voilà. Donc là, c'est important pour savoir est-ce que la réponse fréquentielle présente une résonance ou non. Aussi, on définit le facteur de surtension. Ça, ça permet de déterminer la valeur de M. Vous allez comprendre tout à l'heure, donc je vais expliquer ça. Le facteur de résonance, c'est le module de H de J oméga R sur le module de H de 0, c'est-à-dire lorsqu'oméga tend vers 0. Donc, c'est un calcul très simple. Vous pouvez vérifier ça chez vous. Donc, vous remplacez oméga R par oméga 0 racine de 1 moins 2m carré. Ici, vous calculez le module sur le module de 0. Le module de 0 ici, c'est K. Vous allez trouver cette expression 1 sur 2m racine de 1 moins 2m carré. Par ailleurs, cette équation à apprendre. Vous pouvez toujours démontrer ça, mais à apprendre, c'est mieux. Alors, le gain, le facteur de surtension en décibels, Q en décibels, c'est 20 log du Q. 20 log du Q. D'accord? 20 log du Q, c'est quoi? C'est 20 log du module de H de J oméga R moins 20 log de H de 0 qui est 20 log de K. Vous allez comprendre pourquoi j'écris ça. Maintenant, si je passe ici. Comment identifier la réponse indicielle, la réponse fréquentielle d'un système second ordre? J'ai pris deux K pour M inférieur à 1. K pour M entre 0,707 et 1, ce qui est en bleu, et K pour M inférieur à 0,707, ce qui est en noir. Je vais commencer par le premier. Pas de résonance. Donc, j'ai pris M égale 0,9. Donc, comment identifier? Je vais 20 log de K, ça permet de trouver K, la valeur initiale. Oméga 0 qui correspond à moins 90, donc c'est vite, tu trouves oméga 0. Puis, ça correspond à 20 log de K sur 2M. Donc ça, ça te permet de trouver la valeur de M. Maintenant, si je veux, dans l'autre cas, pour M inférieur à 0,707, comment identifier? Donc, là, donc, en fait, je vais travailler par résonance. Donc, le oméga 0, c'est là, qui correspond à moins 90, d'accord? Puis, 20 log de K a permis de trouver K. Maintenant, j'ai K et oméga 0. Maintenant, comment déterminer M? Si je projette ici, là, ça ne correspond pas. Vous voyez, donc, en fait, je vais travailler, je fais zoom tout d'abord.
Ça, c'est quoi? C'est le Q en décibels. Cette valeur correspond à Q en décibels. Parce que c'est 20 logs, parce qu'en mégahertz, c'est ici. Ça, c'est la pulsation de résonance. Q en décibels, je l'ai dit, c'est 20 logs du module de H2J en mégahertz, moins 20 logs de H2O, moins 20 logs de K. Donc, c'est cette valeur qui est égale 20 logs du Q. Le Q, c'est 1 sur 2m racine de 1 moins carré. Bref, ce Q en décibels, admettons que c'est 12 décibels, est égal à 20 logs de tout ça. Donc, ce tout ça, 1 sur 2m racine de 1 moins m carré, est égal à 10 exposants, 12 sur 20. Ça te permet par la suite de résoudre cette équation pour trouver m. Voilà. Donc, si m inférieur à 0,7, 0,7, comment identifier la fonction transfert? K, c'est à partir de là. Donc, 20 log de K, valeur initiale, oméga 0, c'est par là, et puis M à partir du facteur de surtension traduit en décibels. Maintenant, j'avance. Ah, voilà, j'ai terminé le cours, je vais traiter avec vous un exercice de synthèse. L'exercice de synthèse qui fait appel à la science 1 et cette science d'aujourd'hui, donc la deuxième science, les prérequis pour faire cet exercice, la modélisation d'un système SLV, la simplification du schéma bloc, savoir déterminer la fonction transfert, savoir identifier expérimentalement l'identification temporelle et fréquentielle, la rapidité du système, etc. Donc l'étude porte sur quoi? Sur l'asservissement en position linéaire, suivant l'axe X que vous voyez ici, par rapport au bâti, d'un solide S. Donc là, en fait, j'ai un système. Vous voyez le moteur en jaune, le réducteur en mauve et une roue dentée, roue crémaillère ici. Et donc, le moteur, lorsqu'il tourne, donc la roue engraine avec la crémaillère et il va avancer dans le sens plus X ou bien moins X. Ça dépend, donc en fait, j'avance ou bien je recule. Bon, voilà, le solide S est lié au bâti par une liaison glissière, comme vous la voyez ici. Et le moteur est encastré au solide S. Donc, l'arbre moteur entraîne l'arbre de sortie à travers un réducteur de rapport de réduction KR. Donc, le rapport de réduction du réducteur, c'est KR. L'arbre de sortie du réducteur est muni d'une roue dentée de diamètre D, qui roule sans glisser sur une crémaillère encastrée. Là, vous voyez la mécanique, la présence de la mécanique. Sachant que j'aurais dû en fait faire une étude énergétique sur ce problème. Donc, pour pouvoir déterminer la loi de comportement. Hein, la loi de comportement mécanique. Pour pouvoir déterminer l'expression du couple moteur en fonction de plusieurs paramètres qui caractérisent notre système. Mais bref, là, je n'ai pas fait cette étude. J'ai plutôt donné des équations qui régissent le fonctionnement du moteur. D'accord? E de t est égal à KE oméga de t, CM de t est égal à KTE de t, ainsi de suite. Moi, qu'est-ce que j'ai demandé? Comme première question, traduire les équations qui régissent le fonctionnement du moteur dans le domaine de la place. Ça, c'est une question basique, classique, que vous trouvez souvent. Hein. Donc, là, en fait, il y a deux types d'actionneurs, voire il y en a d'autres. Hein. Donc, il y a un moteur, il y a un vérin. Donc, si c'est vérin, il y a des équations. Si c'est un moteur, il y a des équations. Mais attention, il y en a d'autres processus physiques, tels que régulation de niveau, régulation de température. Donc, nous aurons d'autres équations. Mais principalement, si les actionnaires sont moteurs ou bien si c'est moteur, vous aurez souvent ces équations. Alors, traduire ces équations dans le domaine de Laplace. La première équation, la deuxième. Maintenant, vous êtes pro dans ce type de travail. Alors, compléter. Moi, j'ai demandé aussi de compléter le schéma bloc. Le premier bloc, c'est I de P sur UM de P moins E de P. Ça va me donner 1 sur R plus LP. Je vais utiliser la quatrième. La deuxième fonction transfert, c'est CM de P sur U de P. Ça va me donner KT. Je vais me baser sur la deuxième. La troisième, là, attention, il y a la consigne, l'entrée principale, la perturbation et la sortie du système. Donc, bien sûr, là, on parle du moteur. Hein. Donc, voilà, la troisième fonction de transfert, c'est oméga m sur cm moins cr, je vais utiliser la troisième. Tout à l'heure, j'ai parlé de la modélisation énergétique pour, en fait, vous déterminer cette équation. D'accord? Voilà. Aussi, voilà, la quatrième fonction de transfert. Bon, c'est un modèle classique. Là, voilà, j'avance. La deuxième question, on vous demande de déterminer H1 de P qui est à l'oméga M de P sur UM de P pour CR de P est égal à 0. Là, c'est imposé la démarche.
Là, donc, l'objectif, c'est exprimer finalement oméga m en fonction du m et cr. D'accord? Donc, voilà. Donc, je vais ici poser cr de p égale à 0. Là, voilà, je peux l'éliminer carrément parce que si je prends cr de p égale à 0 et je suis ici au niveau de cm plus 0, ça ne change plus rien. Donc, il suffit de supprimer ce sommateur, n'a pas de valeur. Puis, je simplifie. Donc, vous avez une structure en boucle fermée simple. Vous multipliez ces trois fonctions transfert sur 1 plus le produit de ces 4. Ça va donner ça comme réponse. Voilà. Donc, j'avance. La troisième question. Maintenant, la troisième question, on demande H2 de P qui est égal à oméga M de P sur CR de P. Cette fois-ci, oméga M de P sur CR de P, on va supposer M de P égale à 0. Si je suppose M de P égale à 0, là, ce sommateur, je peux le remplacer par moins 1. Pourquoi je le remplace par moins 1? Parce que le signal ici vient E de P et plus 0, je me trouve ici avec moins E de P. D'accord? Donc, nécessairement, ce sommateur, je vais le remplacer par moins 1. Voilà, le signal vient ici, E de P, et je le trouve ici, multiplié par un bloc moins 1, moins E de P. Maintenant, ça c'est la consigne, et ça c'est l'entrée, et ça c'est la sortie. Donc, ça c'est la chaîne d'action directe, et ça c'est là, tout ça c'est la chaîne du retour. Bon, c'est un calcul simple, oméga M de P sur CR de P est égal à ça sur 1 plus le produit de tout ça. Mais attention, il y a le signe, c'est pas le plus, plus c'est moins, plutôt moins, parce que là j'ai plus, d'accord? Et moins parce que j'ai ici moins, donc ça devient tout calcul fait, moins R plus LP sur KT KE plus R plus LP, facteur de KD plus JP. Notez bien que toujours j'aurai le même dénominateur comme la fonction de transfert H1. Donc c'est un moyen pour vérifier, pour être presque sûr que tu es correct. Ben voilà, final, troisième, la question suivante, exprimer la sortie oméga M en fonction des deux entrées, puisque on va, ben, le système est supposé linéaire, et donc en fait on peut superposer, et donc oméga M de P c'est H1 de P UM de P plus H2 de P CR de P, et avec H1 est égal et H2 égal. Voilà. Dans la suite, on suppose négligeable l'effet du couple résistant. On va supposer CR de T égale à 0. Et on va supposer l'inductance nulle. D'accord? Déterminer de nouveau la fonction transfert H1 de P et la mettre sous la forme canonique d'un système de premier ordre. Exprimer KM et OM en fonction des caractéristiques du moteur. Voilà. Pour nous, donc, en fait, on a supposé CR de P égale à 0. Donc, il n'y a plus de H2. Il n'y a que H1. Et puis, on a supposé que l'inductance est nulle. Voilà, la fonction transfert devient comme ça. Et donc, je vais diviser par KTKE plus RKD pour pouvoir avoir ici 1. Et voilà, donc, le KM, c'est le gain statique, c'est tout ça. KT sur KTKE plus RKD. Et le taux, c'est tout ça. D'accord? Ça te permet d'identifier. Donc, ça, c'est un système de premier ordre. Souvent, on vous pose des questions sur exprimer KM et KT et OM. Voilà, KM est égal et OM égal. Voilà, ça, c'est un système de premier ordre. J'espère que la suite, nous aurons un système second ordre. Alors, maintenant, je reviens. Le moteur est alimenté par un modulateur. Le modulateur est commandé par une tension U de T et sera modélisé par un gain pur K-mode. Donc, le modulateur, c'est un gain pur. Qu'est-ce que ça veut dire, gain pur? C'est-à-dire, il n'y a pas de P dedans. Donc, ce n'est pas variable au cours du temps. C'est un gain constant au cours du temps. C'est un gain pur. D'accord? Est égal à 20. Donc, on donne oméga R de T, la vitesse angulaire de l'arbre sorti du réducteur. Theta R, c'est la position angulaire à la sortie du réducteur. X de T, c'est la position linéaire du solide. On vous donne ces équations. Donc, l'équation au niveau du réducteur, oméga R de T est égal moins KR oméga M de T. Cela veut dire que le réducteur inverse le sens de rotation ici. Et puis, X point est égal V de T. La vitesse du déplacement du solide, c'est V de T, c'est égal à X point. Ben, c'est logique. Puis, je vous donne les données numériques ici, sachant qu'on ne va pas les utiliser dans cet exercice. On avance. Alors là, vous voyez le modèle de la roue crémaillère. Sachant qu'il y a condition de roulement sans glissement au point C entre la roue dentée et la crémaillère. Exprimer cette condition et déduire la relation entre x de t et θ r de t. Ben, voilà, la condition de roulement sans glissement,
dit que la vitesse de C appartenant à la roue par rapport à la crémaillère, qui est le bâti, la crémaillère est solidaire au bâti, est égale à la vitesse de B appartenant à la roue par rapport à 0, plus oméga de la roue par rapport à 0 vectoriel BC. J'ai oublié d'écrire ça ici. Ça va me donner x point plus D sur 2 θ point R, x est égal à 0, la condition de roulement. Ça permet de trouver x point qui est égal à V de T est égal à moins D sur 2 θ point R est égal à moins D sur 2 oméga R, parce que θ point R, c'est oméga R. Voilà, j'ai trouvé cette relation qui découle de la condition de roulement sans glissement, sachant que je vais l'utiliser après dans la modélisation de mon système. On avance. Donc maintenant, on donne le schéma bloc suivant, exprimer ces fonctions de transfert. Voilà. Donc, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Je vais commencer par H1. H1 c'est le moteur, parce que UM c'est la tension d'alimentation du moteur et oméga M c'est la sortie du moteur. H2 c'est quoi? C'est le réducteur. H3 c'est quoi? C'est la roue crémaillère. H4 c'est quoi? C'est une relation qui permet d'intégrer la vitesse pour trouver la position. H0 c'est quoi? Donc c'est le modulateur. Alors regardez, pour H0, c'est le modulateur. On vous a donné que c'est un gain pur, donc H0P c'est K-mode. Pour H1, on a travaillé dessus, c'est la fonction transfert du moteur et on a dit qu'on suppose dans la suite CR de P égale à 0 et on a supposé l'inductance égale à 0. Donc c'est KM sur 1 plus ταMP. Puis H2 de P. H2 de P, c'est la fonction transfert du réducteur et on a dit que c'est un réducteur inverseur du sinus. Donc en fait, le sens de rotation donc, sera inversé. Donc oméga R de T est égal à moins KR oméga M de T. Et puis, donc H2 de P, c'est égal à moins KR. Et la roue crémaillère, H3, c'est la roue crémaillère. C'est la condition de roulement sans glissement. Et on a dit que V de T est égal à moins D sur 2. Vous voyez ici? Moins D sur 2 oméga R. Si je traduis ça dans le domaine de la place, donc V de P égale moins D sur 2 grand oméga R de P. Et si je calcule V de P sur oméga R de P, je trouve que c'est égal à moins D sur 2. Voilà la fonction transfert H3. Qu'est-ce qui reste? Maintenant, H4. H4, c'est quoi? J'ai la vitesse et je veux trouver la position. V de P, c'est X point. V de T, c'est X point. X, c'est l'intégrale de x point. Donc, en fait, vous voyez, px de p est égal à x. Donc, voilà, donc je me trouve avec ça. H4 de p, c'est égal à 1 sur p. Voilà. Donc, là, j'ai des termes. Souvent, on vous demande ça. Hein. C'est une action intégrale parce que j'ai intégré la vitesse pour trouver la position. Donc, x point est égal à v de t. Voilà la relation. X point est égal à v de t. Donc, px de p est égal à v de p. Si vous calculez x de p sur v de p, c'est égal à 1 sur p. Voilà. Maintenant, j'ai déterminé les 5 blocs. Voilà. Donc, déterminer, déduire la fonction transfert en boucle ouverte, h de p qui est égal à x de p, vous voyez, sur u de p. X de P sur U de P, voilà, donc en fait la fonction transfert, les fonctions transfert, voilà, schéma bloc, tout ça, donc en fait la fonction transfert globale, c'est le produit de ces cinq fonctions, ce sont des blocs en cascade, voilà, donc H de P, c'est égal à X de P sur U de P, est égal à K mode fois KM fois KR fois D sur 2P, facteur de 1 plus 3MP. Bref, donc la suite. Le concepteur, ça c'est un système qui fonctionne, tout à l'heure il fonctionne en boucle ouverte, on n'a rien fait comme asservissement. Donc maintenant on va essayer d'asservir la position. Asservir la position, le concepteur choisit d'asservir cette commande de position. Sachant qu'on peut aussi penser à asservir la vitesse, mais ce n'est pas méchant pour le moment. Donc pédagogiquement, je mets l'accent uniquement sur la position. Le concepteur choisit d'asservir cette commande de vitesse. Un capteur de position angulaire est alors placé au point B. Point B, c'est le centre de la roue. La roue. Donc, délivre une tension UMS. La fonction transfert de ce capteur sera prise égale à KC. Un correcteur proportionnel de gain KP est inséré. Généralement, le correcteur, on le place après le comparateur. Le comparateur plus le correcteur, ça, c'est le régulateur du système. Un transducteur
de fonction transfert T2P permet de traduire la consigne de position XC2P en une entrée système UC2T. Un comparateur compare la tension UC à la tension IMS et délivrée par le capteur. Bon, voilà. Donc, en fait, on s'est habitué à faire ce type d'exercice. La première séance, j'ai traité, je pense, deux exercices. Ben voilà, donc tout ça, on va le remplacer par une seule fonction transfert. Donc, en fait, U de P, voilà, on l'a calculé dans la question précédente. Là, le concepteur a rajouté un capteur KC qui délivre UMS. Vous voyez ici, c'est UMS. Puis, la consigne, voilà, la consigne, c'est XC de P. Le transducteur de fonction transfert T de P traduit ça en une tension consigne. Voilà le comparateur, je récupère epsilon de P. Puis, il y a un correcteur proportionnel placé après le comparateur. Voilà le système. Hein, finalement, la conception de ce système. Ben, voilà. Donc, voilà. Puis, qu'est-ce qu'il a demandé? Donner la fonction transfert de T de P afin que le système soit servi en position. Qu'est-ce que ça veut dire, à servir en position? Cela veut dire que le système, l'erreur ici, l'erreur epsilon de P qui sort du comparateur, donne l'image linéaire de l'erreur opérateur. Qu'est-ce que ça veut dire, erreur opérateur? Moi, qu'est-ce que je comprends? Je comprends l'erreur entre XC, qui est la consigne, et la réponse du système X. Donc, si je calcule epsilon de P, epsilon de P ici, c'est égal à quoi? C'est égal UC moins UMS. Mais UC, c'est quoi? C'est T2P, XC de P, moins UMS, qui est KC fois X de P. Donc, si je regardais ça, KC, X de P, moins T2P, XC de P, il faut en fait avoir ça comme si c'est l'image de K facteur XC moins, pardon, X, voilà, j'ai une erreur, je me suis trompé ici, je corrige, je m'excuse. Je corrige, ben c'est pas méchant, parce que normalement c'est plutôt ça moins ça. C'est pas méchant, je corrige, voilà, égal ça, voilà. Donc c'est bon, je pense que c'est bon. Là, epsilon de P, c'est égal, voilà, T de P, XC de P, moins KC, X de P. Nous, nous voulons avoir cette forme. Directement, lorsque je mesure epsilon de P, je multiplie par un coefficient, je trouve l'erreur opérateur, XC moins X. D'accord? Compréhensible. Lorsque je dis erreur opérateur, c'est-à-dire compréhensible par l'opérateur, hein. Parce que si je mesure 5 volts ou bien 5 millivolts, je ne comprends plus rien. Hein? C'est l'erreur de position. Mais en fait, ce 5 millivolts, c'est l'image de l'erreur XC moins X. Donc, dans ce cas, pour asservir en position, il vaut mieux hein, avoir la fonction transfert du capteur ici, la fonction transfert du transducteur, la même fonction. Donc, il faut choisir T de P est égal à KC. Maintenant, si vous prenez T de P est égal à KC, nécessairement, on trouve cette relation. Epsilon de P, ça va être KC, facteur de XC moins X. Ben, souvent, on vous donne la fonction transfert du transducteur, on ne vous pose pas cette question, mais parfois, on vous demande ça. Hein. Alors, on avance. Exprimer la fonction transfert, G de P est égal à X de P sur XC de P. Là, donc, en fait, c'est un calcul simple, toujours en prenant T de P est égal à KC. Là, donc, en fait, on peut rendre ce schéma bloc une structure en boucle fermée à retour unitaire. Parce que je peux, si je prends ça à KC, donc je peux déplacer un sommateur. C'est-à-dire, je peux supprimer ça, je peux supprimer ça et le ramener ici. Et ben, de toutes les façons, ce n'est pas la seule solution. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, l'essentiel, trouver G2P. Donc, là, KC, donc, ça devient KC KP fois ça sur 1 plus KC fois KP fois ça. Donc, tout calcul fait, je me trouve avec ça. Moi, j'ai essayé de mettre ça sous la forme d'un système, de la forme canonique de la fonction transfert d'un système second ordre. Voilà, donc, en fait, la fonction transfert. Maintenant, la question suivante, identifier la fonction transfert à un système second ordre. Donc, ça se voit que c'est un système second ordre. Donc, l'ordre ici, c'est 2. Donc, en fait, c'est un système second ordre. Voilà, donc, en fait,
Cette fonction transfert, c'est la forme K sur 1 plus 2m sur oméga 0p plus p carré sur oméga 0 carré. Alors, identifier, c'est une identification simple. K est égal à 1, oméga 0 est égal à ça et m est égal à ça. Maintenant, on veut, question 13, déterminer KP permettant d'avoir la réponse la plus rapide sans avoir d'oscillation, sans avoir de dépassement. Là, cela veut dire quoi? Cela veut dire que je vais prendre m est égal à 1. Parce que si je prends m est égal à 1, je trouve la réponse la plus rapide sans oscillation, sans dépassement. Donc là, je prends m est égal à ça, est égal à 1, et vite fait, je calcule Kp. Kp, c'est le gain du correcteur qui permet d'avoir la réponse la plus rapide, mais sans avoir de dépassement. Voilà, j'ai terminé avec cet exercice, avec cette séance. Merci pour votre attention. Donc, la séance prochaine, on va travailler sur les performances d'un système servi et la correction. Donc, jusqu'ici, nous avons fait deux séances. La première séance, nous avons vu les outils utiles pour étudier un système servi, en particulier transformée de Laplace, simplification du schéma bloc, fonction transfert, diagramme de Bode. Aujourd'hui, nous avons vu l'identification expérimentale de la fonction transfert. Et voilà, donc la séance prochaine, on va voir les performances et la correction d'un système SRV. Voilà, donc merci. Donc c'est bon, je peux arrêter.